Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Fae Farm. Et on s'était laissé, eh bien, on avançait dans le deuxième donjon, on avait enfin vu des statues vivantes. On était rentré, on avait lancé quelques crafts, je les ai récupérés. Et avant de partir, on va essayer d'aller améliorer nos outils. Nos outils restants, bien sûr. Pour pouvoir récolter tout ce qui se récolte dans le donjon. Ouvrir la boutique, oui. Du coup là, ce sera des lingots d'argent. Et là, on en est là. Pourquoi je peux pas l'améliorer? Parce que j'ai pas pris les lingots de fer sur moi. À tous les coups, c'est ça. Il me faut 6 lingots de ferrite et j'ai oublié de les emmener. À tous les coups, c'est ça. Alors, lingot de ferrite, c'est ça? Non, ça c'est le verre. Lingot de ferrite, c'est ça, il m'en faut 6. On peut aller améliorer nos outils ce coup-ci. N'était qu'un faux départ. Hop, faucille en ferrite. Maintenant, pas de discussion, non. Ouvrir. Et du coup, l'arrosoir en ferrite. Voilà. On a tous les outils en ferrite. Prochaine étape, donc, les outils en argent. Et en attendant, on peut continuer d'avancer, bien sûr, dans les ruines flottantes. Il y a un moment où j'aurai peut-être plus de potions pour ce faire, mais c'est pas grave. Je vais d'en refabriquer. Ok, on va quand même récolter. Ah, du coup, la ferrite. Si, il me la faut pour les sauts. S'il m'en faut encore pour les sauts. Et dire, il n'y en a pas besoin, mais si, il y en a besoin. D'ailleurs, je vais tout de suite manger un ça. Voilà, juste pour avoir le bonus de minage. Pour permettre. J'allais dire éventuellement de casser plus vite, mais non, il y a toujours des blocs de ferrite, il me faut 2 coups et d'autres il me faut 1 coup. J'imagine que ça dépend d'un coup de chance. On a vu que du bois il va nous en falloir pour améliorer nos jauges. Récolter tout ce qu'on peut, bien sûr. Je le prends. Ouais. Mon bâton fait peu de dégâts, je trouve. Oh! Il m'a lâché une potion de bonne haleine. Et ça fait plaisir. Niveau 15 en minage. On se rapproche du niveau max qui est 20. On pourrait même être niveau max avant de faire le troisième donjon. J'ai même pas besoin de ramasser
Les orbes normalement. Ah bah on va enfin savoir ce que c'est que cette ressource. C'est vrai que je la vois là mais on peut la récolter. Ok, c'est de l'herbe sporale, potion de bonne haleine moyenne. Ah bah voilà. Voilà, voilà. Ça c'est intéressant. J'imagine que moyenne ça veut dire plus longue durée. J'ai passé à droite. Juste au cas où il y a des arbres. Les arbres m'ont l'air d'être plus souvent sur la droite. Bon du coup, l'herbe, il faut que j'en ramasse beaucoup. Vu que ça va me permettre de faire la plus grosse potion. Sauf si à la fin du donjon on obtient un sort qui nous permet de nous débarrasser des miasmes, ce que je trouverais à la fois bien et pas bien parce que du coup la potion deviendrait inutile. Bien parce que du coup la potion nous embêterait plus, elle aurait été utile pendant le donjon, mais pas bien parce que du coup la potion servirait plus du tout pour tout le reste du donjon, enfin pour tout le reste du jeu. Le temps passe vite quand même. Après, on n'a pas non plus énormément de sauts. Le problème, c'est que les sauts pour les suivants, j'ai pas les ressources. On trouve pas encore les ressources à ces étages-là. Les ressources qu'on avait, c'était parce qu'on les avait eues sur des monstres qu'on avait tués. Ok, niveau 14 en magie, ce qui nous donne du critique. L'améthyste nous sert plus pour des fabrications, donc on va pouvoir la vendre, je pense. Faudra vérifier quand même. Peut-être qu'elle nous servira pour un objet ou deux, mais je pense qu'on pourra la vendre. On la polie, on la vend, ce qui nous fera, je l'espère, pas mal d'argent. Ok, l'étage 8 est déverrouillé. Mince, non mais c'était raté ça. Tu vois bien qu'il n'y a rien. Mais ça y est, il est reparti pour ramasser le truc. Avec les herbes, j'ai dit faut les ramasser. Je sais pas combien il en faut pour la potion. Petit arbre. Okay, j'ai bu une deuxième potion. J'ai l'impression qu'on en boit deux à chaque journée là qu'on passe ici. Au final, les monstres là me lâchent du trèfle, ce qui était nécessaire pour la petite potion, donc même plus besoin de le récolter dehors. Mais par contre, j'ai pas les bouts de blob. Ouvrir normalement ici, voilà, il me reste deux sauts. Oui, c'est les nouveaux monstres. Alors par contre, du coup, c'est violent, mais est-ce que ça lâche des trucs intéressants? De l'améthyste.
Super. Ouais, pas spécialement besoin. Vous auriez pu lâcher la ressource d'après. En bas, là, il y a l'air d'y avoir des trucs. C'est ça qu'il nous faut, là. Les cristaux roses. Ça. Le quartz rose, voilà ce qu'il nous faut. D'ailleurs, ça serait bien de commencer à trouver de l'argent. La ferrite, ça va être bon. Ouf, je l'ai esquivé de peu. Voilà, eux ils lâchent du quartz rose. Et ils lâchent même des émeraudes qui, à mon avis, se trouvent encore plus en dessous. Est-ce que les statues vont finir par lâcher des trucs intéressants? Non, encore des améthystes. Ok, on a pu mettre le dernier seau qu'on avait emmené. Quête prête à être terminée. Ah oui, ça va tuer les babazars. Laissez-moi deviner. Après, il va me demander de tuer certains des babazars spécifiques du donjon. C'est ouvert, on peut déjà changer de... attendez, on peut peut-être pas déjà changer d'étage. Ah oui, quand même, il y a des trucs à récolter. Je suis en train de me dire, c'est triste. Bah il est... mais il est en haut. Ah, il nous faut du quartz rose, on a dit. Il nous faut 16 de quartz rose. Et après, ça sera les sauts suivants, donc en argent. Ah, ça c'est de l'argent. Ouais, voilà. Ok, on commence à trouver l'argent, c'est intéressant. Ouais, il est déjà 21h. Allez, on va aller fouiller l'étage suivant. De toute façon, l'étage suivant, on ne peut pas l'ouvrir, donc... pas avec un seau, en tout cas. Aïe, oh. Petite potion d'épine. Ah oui, il faut que j'arrête de bourrer, en fait. Les statues, c'est le problème. Les statues, si je bourre, je meurs. Ok, elle lâche du minerai de fer. Oui, dans les statues, elle lâche vraiment rien d'intérêt. Les statues lâchent moins des moins bons objets que les petits monstres réveil là, montre goussé. C'est quand même triste.
Un petit souci d'équilibrage à ce niveau-là. C'était pas utile la potion en fait, j'aurais dû ressortir du donjon. Un peu gâché je trouve. Ouf, c'était juste. On a dit faut pas bourrer les statues, c'est pour ça que je matraque la touche hein, bien sûr. T'es faible. Oh là là, je me les prends toutes en même temps. Je n'applique pas mes propres conseils, donc. Arrive à être 23h. Donc de toute façon, on va... Voilà, c'était... C'était étrange comme petit saut là. On va être viré du donjon dans peu de temps. Voilà, oh là, il est nouveau lui. Les skéloncelles. Éviter d'être viré du donjon par mort. Est-ce que ça sert à quelque chose que je... Non. Je vais pas manger alors que dans même pas 10 minutes on est viré du donjon. Pas l'impression qu'on ait pris beaucoup de ressources très intéressantes. Quelque chose me dit que ça va pas être top top. Du courrier. Oui Nachara, c'est bientôt la fête de la pêche et je pense que les activités que j'ai préparées vont te plaire. Viens me voir si tu veux en savoir plus, c'est dit le maire. Ok. Ça, il nous en faut 2, on peut les faire. Puis derrière ça, il nous en faut 4, on peut les faire. Ah, objet non découvert. Donc ça servirait à rien pour l'instant de faire les suivants. Donc on va avoir nos seaux. Ici, j'ai pas récupéré tout ça. Voilà. Bah on va y retourner. On va y retourner assez vite. Qu'est-ce qu'on veut voir, la potion? Oui, la potion. Ah, y a un modèle plus gros. Ok, il faut des essences de spores. Ça fait les essences de spores, d'accord. Ok, on va lancer ça. Là, de toute façon, il faut que j'attende mes... Hop. Faut que j'attende mes sauts. Ça m'arrange pas que vous sortiez. J'étais venu vous récolter. Voilà, merci d'être resté dedans, vous. On va avoir le temps normalement de faire les autres ici. Hop. Soin des animaux, niveau 11, donc on peut avoir des magnifiques récoltes. Tout ça, on est bon. Du coup,
Tac, on en est là. Objet non découvert. Bah, c'est pas avec le quartz rose. Il y a ce seau là. On a fait améthyste et donc il y aura un seau en quartz rose là, d'accord. Il me reste que deux petites potions. Normalement grâce à ça, plus 1 à la puissance des potions, ok. On peut faire des plus grandes potions, voilà. J'ai récupéré mes seaux. Bon, normalement, la grande potion là me suffira avec les deux autres. On va essayer d'aller mettre vite fait les autres sauts qu'il nous reste. On n'a pas validé la quête. Oh là là, quelle erreur de débutant. À tous les coups, il va nous dire d'y retourner. Moi, je le sens gros. Hein. Et il est pas là, bien évidemment. Oui, bonjour. Il est pas là, il est parti. Mais qu'est-ce que tu fais au centre-ville? Regarde tout ce temps que tu nous fais perdre. Ah ben voilà, c'est maintenant que tu rentres chez toi. Alors, ça, c'est fait. Invoquer des flammes pour repousser ces monstres. Utiliser le feu féerique 10 fois. Est-ce que ce serait pas le prochain pouvoir, le feu féerique? On sait même pas ce que c'est, donc on va pas le prendre. Mais c'est peut-être le prochain pouvoir, le feu féerique. Hein. Bon, on est reparti. On a perdu beaucoup de temps à cause de ma bêtise. Enfin, plutôt de mon oubli. Ok, on n'a plus besoin spécifiquement de vous tuer. Vous, vous servez à rien, les statues. Donc, désolé, mais j'avance. Toi par contre, potentiellement, tu lâches des trucs intéressants. Mais vous êtes beaucoup trop. Et vous vous soignez en plus. Il lâche de l'argent. Ça on récolte parce que argent. Là clairement, c'est juste de l'argent. Voilà, ferrite. Je pense qu'on pourrait commencer à s'en passer de la ferrite. Descente. Mais... je vais réussir à l'avoir, non mais... Oh, et la statue, hein, tu t'en mêles pas, s'il te plaît.
Hop là, raté. Bien sûr qu'on met notre seau. Pas fabriqué pour rien. What, c'était étrange ce que j'ai fait. Je me suis dit que finalement j'avais tourné à droite et je sais pas. Je sais pas là pourquoi là maintenant j'ai changé de côté. Me demandez pas, mon instinct. Oui, c'est ça l'argent? Non, c'est de la ferrite, mais... pas bien vu l'argent. Bon, allez, on repasse sur la plateforme centrale. Toi, t'as pas l'air de lâcher non plus des trucs très intéressants. Je commence à me faire un peu massacrer par les monstres. C'est ça. Pour l'instant, les plus intéressants, ça reste eux. Et les petites harpes, là. Ok, niveau 12 c'est fait, donc la moitié de fait. Normalement le 25ème étage, j'imagine que ça sera juste un esprit comme c'était le cas dans l'autre donjon. Ah, c'est ça, d'accord. Ouais, c'est un tout petit peu plus blanc. Hein. Le quartz rose, à part pour un des seaux, il va plus me servir non plus. Il va pas me servir à faire des seaux pour avancer. Qu'on essaie de fabriquer les meubles, qu'on fasse une petite pause dans la descente à un moment pour voir si on peut améliorer nos barres. Ah, il s'est pas tombé. Et l'argent, c'est solide. Est-ce qu'on se ferait pas la pioche en argent? Non, vaut mieux faire les sauts pour avancer, on fera les outils après. De toute façon, pour se faire les outils, va falloir qu'on se fasse de l'argent. On n'a pas tant d'argent que ça et je crois que c'était 2500 par outil. Hop là. Allez, nouveau niveau, on va à droite. Bon, on est direct à la fin. Je crois qu'on a trouvé le raccourci. On va essayer de récolter un peu. De tracer dans les niveaux, ça m'arrange pas non plus. Oh, ils sont rapides. Ah ouais, non, tu m'arranges pas, toi. Vois-tu, j'étais tranquillement, là. Ah bah non, je suis... Ah bah si, je suis invulnérable pendant le pouvoir magique. Enfin là, j'étais pas invulnérable.
Oh mais quel enfer! C'est parce que je la tue pas. Oh bon, et ça va, on va la tuer au bout d'un moment. Juste qu'elles ont beaucoup trop de points de vie. Et qu'elles lâchent rien d'intéressant. Ok, on peut aller à la suite. Il est déjà 18h dans le jeu, quasi 19. Il me reste encore 3 sauts à mettre, plus que 2 après celui-là. Je suis trompé de touche. Je sais pas si ça peut se polir et se revendre le quartz rose. Parce qu'on s'en fait un petit paquet. Oh non, il y a une statue vivante. Ah, j'ai pas essayé de les taper en l'air, peut-être que ça les interrompt. Peut-être que c'est ça l'astuce. Mais j'aimerais quand même placer les deux sauts qui me restent. Vous pouvez ne pas trop traîner. Histoire de dire quand même qu'on n'est pas venu pour rien. Hop, qu'on n'a pas raté. On voulait faire, j'imagine que c'est par là. Il y a des niveaux plus longs que d'autres. Hein. L'argent, ça va pas être un problème. Voilà, voilà, ça va faire mal ça. Oh, si je les laisse frapper eux. Et puis eux, ils lâchent rien comme ressource intéressante. Ok, 9h30, je place le saut là. Et il faut qu'avant avant d'être re-téléporté chez moi, il faut que j'ai placé celui de l'étage d'en dessous. Non, j'ai pas l'impression que les frapper en vol, ça soit si intéressant que ça. Peut-être que ça leur fait plus de dégâts, cela dit. Ouf. Ouais, non, je manque mourir à chaque fois que j'essaye en plus. Ok, donc faut vraiment que j'avance parce qu'il faudrait que j'ai mis la pierre de l'étage d'en dessous. Ah ouais, mais ouais, non, mais si le jeu il me fait ça là avec des... Oh non! Non! Non, ce temps perdu, tout ça parce que j'ai voulu récolter un truc là du saphir. On a encore le temps, on a encore le temps de la poser. On a encore le temps de la poser. Je pense que le saphir, c'est ce qu'il va me falloir pour les prochaines pierres. Il est temps de rentrer. Non, 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 pas maintenant, je t'assure, pas maintenant. Et refais pas la même bêtise. Oui, voilà, merci. Ne t'arrête pas. Ah,
Ah, c'est à droite. C'est à droite. On peut le faire. Ouais, mais attendez. Non, non, pas ça, non. Là, ça. Un, deux, t'es mort. Ouais. T'es mort, t'auras pas le temps. Tout ça parce que l'appât du gain... Quoique, attendez, attendez. Il y a peut-être le temps, il y a peut-être le temps. Il me reste 30 minutes pour courir. Même pas 20 minutes. 20 minutes pour traverser tout le niveau en courant. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait pas. Ça se fait. Passer à droite parce que du coup, normalement, la droite est un très gros raccourci. Il va le faire. Il va le faire. 55. 55, il va le faire. Il va le faire. Non. Sur la pierre. Et écran noir, le jeu a crash au passage. Oh, j'espère qu'il a fait une sauvegarde. Oh, j'espère qu'il a fait une sauvegarde. Ça c'était pas cool. Vous inquiétez pas, l'image va revenir, voilà. J'aurais pu couper, bien sûr, mais comme ça, vous avez vu... J'ai eu pas mal de petits crashs du jeu, des retours Windows, comme ça, sans raison. Je ne sais point pourquoi. Et comme ça, au moins, vous l'avez vu, celui-là. D'habitude, je vous les enlève. C'est pour ça que vous n'en voyez pas beaucoup, mais celui-là, je vous l'ai laissé. On revient où, quand, comment? Ok. On est à la maison et on a atteint le niveau 16. Donc il a sauvegardé avec le changement de journée. Oui, regardez, on est à 6h14 du matin. Ok, ça va, ça m'a fait peur. Mais sur la pierre, hein. C'est dommage, j'ai pas eu le temps de la poser vraiment. Le changement sur la pierre à une ou deux minutes près. Tant pis. Eh bien écoutez, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.